Alors, dans l'idée de départ, un ballon pour trois, tu peux poser le tien sur le côté. On considère pour l'instant qu'il y a un porteur de balle qui dribble et qui doit conserver systématiquement le contrôle du ballon ici. On a de l'autre côté, dans les deux joueuses restantes, on va considérer que je prends ta place pour le début de séquence, on doit être dans l'organisation ici sur un marquage individuel strict. Ça veut dire que concrètement, Marine doit s'organiser pour défendre en strict sur Maria ici. Moi, en dribble ici, je dois permettre à Maria de se déplacer, venir ici faire corps obstacle, lui poser le ballon et faire en sorte qu'elle puisse le récupérer ici sur ce principe-là, en conservant constamment le contrôle du dribble. Défensivement, j'insiste, en individuel strict, c'est-à-dire que je ne peux pas, moi, pour l'instant, si tu dribbles, s'il te plaît, je ne peux pas, moi, intervenir sur le dribble ici. Je dois défendre fort ici, individuel strict. En se déplaçant en dribble, elle doit me permettre, effectivement, de venir proprement récupérer la balle. Donc, dans l'idée, charge à vous, pour l'instant, de trouver la façon de faire passer le ballon à votre collègue ici. En sachant que la seule façon que moi j'ai de défendre effectivement, c'est sur Marine en individuel strict ici. Et la seule chose, la seule moment où je peux intervenir sur la balle ici, c'est qu'à compter du moment où je considère que Maria pose la balle pour la pivot, si jamais pour la Marine, si jamais je peux le récupérer au passage ici, je le fais. Pour l'instant, on considère que on va travailler autant, on va le faire ça de façon assez chiffrée. C'est moi qui gérerai les rotations pour l'instant. On considère pour l'instant qu'il y a effectivement, dans l'idée, je dribble ici sur la séquence. On considère que du coup, tu dois récupérer la balle ici. Donc tu viens la récupérer, viens, passe, insiste, tu dois récupérer la balle ici. Et elle doit continuer à partir en dribble sur un espace relativement restreint. Et une fois que c'est fait, on change juste pour l'instant les intentions et la joueuse qui attaque défense. C'est OK pour vous? C'est parti, commencez tranquillement et on va gérer ça au fur et à mesure et je passerai à droite, à gauche. Encore, qui récupère quoi? Encore, passe. Organisez-vous vite, qui doit récupérer quoi? Allez, mettez plus d'énergie défensivement dès le départ. Encore, passe, contourne. On va s'organiser au fur et à mesure, on va laisser passer trois séquences. C'est quand vous voulez pour vous. C'est vous qu'on attend pour l'instant. Qui défend? C'est OK, c'est parti. Organisez-vous au fur et à mesure, je le dis, on prend un peu de temps. Passe. OK, l'initié encore. OK, pareil, permuté. Change, passe. Encore fait le tour. OK, prenez un tout petit peu de temps ici. Juste qu'on arrive à s'entendre sur les intentions qui sont effectivement les nôtres. On considère que si Amanda défend et qu'Alice attaque ici, la seule façon que moi potentiellement j'ai de jouer et de passer avec Alice, c'est de dribbler et de poser le ballon ici là. D'aucune façon je peux venir porter la balle, la passer à Alice ici. Il faut concrètement que je m'organise. Alors faites preuve de beaucoup plus de mobilité très inférieure ici et Alice va venir avec moi. Et l'idée c'est que je sois capable de percevoir les intentions d'Alice et lui poser le ballon en dribble sur ce principe ici. Par contre, je vous le dis gentiment, commencez effectivement à accélérer défensivement les intentions qui sont les vôtres, bousculer potentiellement votre adversaire direct, et c'est pareil, impacter la joueuse qui dribble. Pour l'instant, je n'ai pas dit que ce n'était pas possible. C'est parti pour nous, on relance pareil, faites la rotation en interne. C'est parti, allez, choisissez vite qui fait quoi, et on relance. Allez, c'est parti pour nous. Dribble, protège. Allez, déplace-toi. Encore. Ah, il faut qu'on arrive à le faire proprement. Il faut que tu continues à dribbler tout le temps. Il faut constamment conserver dribble. Encore, dribble, Alice. Dribble. Encore, protège, passe autour. Jouez. Pareil, protège. Encore, pareil, reprends le temps. C'est OK, Alice. Mieux. Pareil, pose-le-lui. C'est OK. OK, dribble encore, il faut que tu tout le temps. Pareil, il ne sait pousse. Allez, il faut que tu l'aides. Va. On va se lancer. On fait exactement la même chose. On considère que les pivots dans chaque équipe de 5 sont constamment le joker offensif sur la séquence. On fait exactement le même mode de fonctionnement que ce qu'on a pu entrevoir tout à l'heure à 2 contre 1. On vit juste la séquence avec un effectif un tout petit peu plus important sur la situation. Donc l'idée, je considère que je suis avec Bleu, je prends ta place, viens avec moi s'il te plaît. Je suis avec Bleu, c'est pareil, je dois dribbler et je dois permettre à l'INSEE ici de récupérer la balle et d'enchaîner. Une fois que l'INSEE elle a le ballon, il faut qu'elle conserve encore et encore le dribble pour permettre à une joueuse bleue ou joker offensif ici de récupérer la balle dans les mêmes
condition ici. On est exactement donc sur le même principe. On vit la séquence avec juste un tout petit peu plus de monde que ce qu'on a pu entrevoir tout à l'heure. C'est OK pour vous ? Balle sur Maria là-bas, s'il te plaît. Maria, tu pars en dribble, tu choisis une équipe, bleu, blanc, et c'est parti. Jouez. C'est parti. Encore, déplace-toi, s'il le faut, elles viendront. Encore, Lindsay. Encore, jouez. Pareil, dribble, protège. OK, pourquoi pas. Encore, pareil, protège. Dribble, fais passer. Ah, il faut vraiment que la passe, elle se fasse courte. C'est un vrai ballon que vous allez poser devant. C'est parti, Lindsay, enchaîne, dribble, lance la séquence. Encore Amanda, dribble, ça va venir. OK, pourquoi pas. Encore dribble, Chloé, va. Pourquoi pas, enchaîne. Encore Marine, déplace-toi, pose-le, c'est OK. Encore pareil. Va, pareil, dribble. Elle a besoin de toi. OK, pourquoi pas. On va essayer de mettre plus de rythme que précédemment. Vous pouvez vous déplacer sur toute la moitié du terrain. Interdiction pour l'instant de rentrer à l'intérieur des 9 mètres. Le principe est simple. Vous ne pouvez pas courir balle en main. Conservation du ballon simple. La seule chose, c'est que tous les ballons doivent s'attraper à une main sur ce principe ici. Chaque fois, effectivement, qu'il y aura une prise de balle un peu hasardeuse ou que vous aurez l'obligation de ramener le ballon ici, je considérerais que le ballon est perdu. Prise de balle, une main, droite, gauche, peu importe pour l'instant. Dans le même cas de figure, pour accélérer, elle assez vite. Si le ballon est touché défensivement dans le temps de la passe, on considère que ça suffit pour le récupérer. Si jamais je sors le ballon sur Alizé ici et Kaïsatou le touche, dans le temps de la relation, j'insiste, pas dans la main, on considère qu'on change la possession ici. C'est OK pour vous ? On est donc sur cette moitié de terrain, interdiction de rentrer à l'intérieur des 6 mètres, prise de balle, une main, conserver pour l'instant le ballon le plus longtemps possible. Prête ? C'est parti. Lancez la séquence. Ça va s'autoréguler au fur et à mesure. Encore, vous avez de la place. Passe. Encore, jouez, c'est OK pour moi. Encore, jouez. Pareil, passe, plus vite. Lève la tête, sors-le. Touché. Ça suffit à récupérer, balle bleue, et on réenchaîne. Jouez. Encore. Mets-le, pourquoi pas. Bien. Pareil, c'est passe. Jouer, toucher, pareil. C'est parti. Balle noire. Regarde, lève la tête, il y a un joker ici. Pareil, perdu. Ballon perdu. Interdiction de rentrer à l'intérieur des 6 mètres. C'est parti. Pareil, prends le temps, sors un vrai bon ballon. Jouer, enchaîne, c'est parti, passe. Pareil, l'INSEE, sors-le, jouer. C'est parti. Pareil, bien.